Donc bonjour, je suis le commandant Juliette, j'appartiens à l'armée de l'air et de l'espace et je suis à la fois pilote de chasse sur Mirage 2000D et pilote de drone de Reaper. Actuellement, donc, ma mission principale, c'est pilote de Reaper dans l'armée de l'air. Donc je pilote à distance des très gros drones qui font des missions de reconnaissance au service de l'armée de l'air. En tant que pilote de chasse, eh bien, ma mission est de conduire à très basse altitude des avions qui sont très puissants et qui nous permettent d'intervenir en France comme à l'étranger. Pour faire pilote de chasse, je pense qu'il faut avoir des compétences techniques, un grand sens de l'organisation. Mais au-delà de la compétence qu'il faut pour être pilote de chasse, dans l'armée de l'air, on a quatre valeurs qui sont des valeurs, on va dire, références que nos aviateurs doivent tous avoir. On parle de respect, d'intégrité, de service et d'excellence. Et je pense que ces quatre qualificatifs sont extrêmement pertinents pour décrire ce que c'est que le métier de l'aviateur. J'ai envie de leur dire ce qu'on m'avait dit moi à l'époque, c'est-à-dire, c'était Claudie Aigneret qui nous avait dit cette phrase que je trouve très juste et qui résonne toujours très, très fortement, c'est de n'attendez pas mesdemoiselles, pour vous lancer, n'attendez pas d'être parfaite, parce que eux, les hommes, ne se posent en général jamais la question.